après une rencontre chef cabinet président république là Wilson Nano avec une délégation au FNAC te gagné avec plusieurs autorités dans le département de la semaine passée, des marches très avancées pour y construire un aéroport international dans la ville Port-de-Paix, d'après délégation départementale nord-ouest là agronome OLTO qui parlait des nécessités pour projet ça arriver réaliser puisque la contribuer dans le développement département nord-ouest là a une retombée économique sans pareil sur région. Il va créer échange, il va créer développement et tourisme. Nous connaissons dans le pays d'Haïti, nord-ouest, son zone touristique. C'est plus gros et zone de pèlerinage là, en sa folle. Plus gros site mystique dans le pays, là, et la ville au camp. C'est dans le nord-ouest lié, c'est là, dans la pointe. Et plus belle plage dans le Caraïbe là, c'est la pointe ouest. Sous l'île la tortue, ça va le permettre de monde qui pas appeler qui veut éviter capital là pour des raisons de d'insécurité, yo capable venir nord-ouest sans pas passer par Port-au-Prince, sans pas passer par Cap-Haïtien, yo juste sorti dans les Bahamas, yo juste sorti Fort Lauderdale et puis yo débarqué, yo venir dans plage, yo venir Mont Saint-Nicolas par exemple. D'après délégué départemental nord-ouest là, agronome OLTO, 70% vol international qui fait sous deuxième ville pays à Cap-Haïtien. Majorité passagers, c'est dans le nord-ouest, ils sont sortis. Pour couler, la population nord-ouest attend avec patience lancement projet ça, qui c'est une promesse président de la République là, qui fait population dans la campagne électorale là. OFNAC déjà identifié des sites pour exécution projet ça, qui c'est construction d'un aéroport international dans le département nord-ouest là. Dieu seul, Julien Louis pour la Voix de l'Amérique, Port de Paix. Président République là excellent Jovenel Moïse qui te gen bon côté le plusieurs ministres parlementaires membres secteur privé dans nord ak l'autre autorité dans département nord inauguré un nouveau salle arrivé dans aéroport international Cap-Haïtien mardi 14 d'août 2018 là. Nouveau salle arrivé ça pral permettre aéroport Cap-Haïtien offrir plus confort ak sécurité bay moun k'ap voyager sous plusieurs lignes aériennes qui relient Cap-Haïtien ak Nassau Bahamas, Zile Caïman et puis États-Unis. Ça va permettre tout passager au passer plus vite devant agent immigration yo y a joindre mallette yo plus vite et y a voyager avec plus qu'est posé. Président Jovenel Moïse qui a une vision large fait connait nouveau salle ça c'est un boucan en bouille parce que rêve parle c'est bail aéroport Cap-Haïtien un gros terminal qui respecte toutes normes ak standard international yo. Inauguration salle d'arrivée ça j'aime dire nous c'est on parti. C'est un coup, Jean Grand Mounzia. Son boucanem pour tant bouilli. Ça, c'est un coup de ça. Là, trois petits qui vous prennent deux lignes, qui vous prennent Bahamaser, qui vous prennent avion qui saute il tuc. Nous font boucanem pour tant bouilli avant nous faire bel terminal qui t'a recevoir avion correctement. Parce que Haïti, pour un pays à part. Haïti, son pays qui supposait marcher aux normes. Son pays qui supposait respecter les standards. C'est pour ça que nous disons et nous voulons travailler sans camper. Excellent Jovenel Moïse qui connaît le monde, a profité de remettre un bistou neuf par responsable de l'aéroport Cap-Haïtien. Une manière pour faciliter le transport de monde qui travaille. Si tout ça qui sorti dans une zone qui est plus loin. Après la chose, il était disponible pour employer depuis un bon bout de temps. Chef de l'État a passé instruction. Pour gagner une cafétéria moderne qui construit dans l'aéroport là, dans l'idée pour les gens qui travaillent, qui mangent dans un espace qui respecte la dignité comme les gens qui servent le pays. La série de travail ça qui vise à changer la figure de n'importe entre pays, rentrer dans le cadre de vision administration président Jovenel Moïse là, pour rebailler Haïti fierté devant tout le monde qui a visité le lieu. Président République la Jovenel Moïse inauguré mardi 14 août là yon salle arrivé tout neuf non aéroport international Cap-Haïtien. Chef l'État dit la travail s'arrêter pour respecter engagement l'ité prend devant nation pour augmenter valet pays d'Haïti dans tout niveau. Inauguration nouvelle salle arrivée ça c'est occasion pour président Jovenel Moïse de remettre clé en bis tout neuf bail responsable aéroport pour assurer transport employé dans le cadre de travail. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Salle d'arrivée et porte internationale Cap-Haïtien inauguré dans le moment ville au Cap a célébré 348 l'année d'existence. Cap-Haïtien, deuxième ville pays, c'est une grosse destination touristique pays qui a recevoir, je ne jeudi, environ 10 vols internationaux par jour.
Yon raison en plus d'après ministre travaux publics là ingénieur Fritz Kayo pour apporter la réponse à condition pour mettre passagers au confortable depuis les fait qu'a débarquer dans cité Henri Christophe là. Ce n'est pas un nouvel aéroport. Mais si vous faites partie de ceux qui fréquentent cet aéroport, dont le nombre de passagers ne sait de quoi, vous comprendrez l'importance de cette action. Les accueillir décemment, leur offrir moins de bagages lors de la recherche de leurs bagages, réduire le temps d'attente à leur arrivée, voilà le but visé qui se résume à ces termes, confort des passagers. Il faudra finaliser son aménagement et rendre cette salle plus conviviale. De cela, nous voulons l'espérer, naîtra un accroissement considérable du nombre de passagers, l'un des points forts pour conduire non seulement au relèvement de l'économie du pays, mais aussi l'ouvrir à d'autres horizons et surtout faire naître la confiance chez les passagers. Soigner l'image Haïti dans tout niveau, c'est la principale vision du président République Jovenel Moïse. Ça l'arrivée tout neuf ça, d'après chef l'État, c'est un commencement. En pile l'autre travail pour le faire toujours pour permettre Airport au Cap la répondre à standard international. L'inauguration ça d'arriver ça. J'aime dire nous, c'est en partie. C'est un coup, Jean Grand Mounzia, son boucan important bouilli. Ça, c'est un petit salle avec trois petits qui pouvaient prendre deux lignes, qui pouvaient prendre Bahamaser, qui pouvaient prendre avion qui saute il tuc. Nous font boucaner pour t'en bouillir avant de nous faire bel terminal qui t'a recevoir avion correctement. Parce que Haïti est un pays à part. Haïti, son pays qui supposé marcher aux normes. Son pays qui supposé respecter. C'est pour ça que nous disons et nous voulons travailler sans papier. Directeur Ouagla, nous fiers pour nous dire que l'homme de choisi pour nous garder ça, ministre ou le Vladimir président, doit. Je prends l'aéroport, qu'est-ce que l'aéroport a gagné 1 600 000 à la donne. Même je prends l'aéroport en avril, mars 2017. Je dis à qu'est-ce qu'il y a 36 000 à la donne. Ça veut dire, l'entendre me dit m'a parlé de construire l'aéroport, c'est pour nous compte côté coblaye, l'argent là. Même Jean Noël, l'aime de bonne décision, me dit m'a acheter équipement. Tout le monde dit oui, le président a bâillé, je voulais jouer l'argent. M'a acheté 123 millions de dollars équipement, 150. Mais même Jean, nous allons faire un montage financier pour nous construire terminal au Cap Haïtien, pour nous faire reconstruction à l'aéroport Port-au-Prince, pour nous finir à l'aéroport Okaï, nous finir à l'aéroport Ilavache, nous construire l'aéroport dans le nord-ouest. Avec un montage financier, nous allons faire parce que Jodian possède 36 millions de dollars. En plus, nouvelle salle arrivée Airport au Cap-là, employés Airport ont bénéficié plusieurs avantages. Tant coup, ils ont plat chaud chaque jour pour manger. Ils ont bus tout neuf, président Jovenel Moïse fait au cadeau, journée mardi 14 août 2018, là, pour venir déposer dans le travail et puis pour mener au tourner la caillou. L'autre dossier, parti politique Tête Ensemble pour sauvetage haïtien, a recommencé à fonctionner mardi 14 août là. Après 7 années, depuis les décampés dans toute activité politique en dedans pays, responsable parti politique Tête Ensemble pour sauvetage haïtien, expliquer raison qui fait partie a décidé retourner sous scène politique haïtienne non. Audin Fils Bernadel, c'est coordonnateur national parti politique Tête Ensemble pour sauvetage haïtien. Nous redémarrons cette fois-ci pour de bon parce que nous estimons que trop longtemps que Jean Politique a fait dans notre pays, nous dit que il n'y a pas comme ça. À moins qu'on ne soit pas sensible du tout comme homme politique pour que Jean a fait taille pour elle bon. Donc, fort de ce constat, nous sommes retournés avec une nouvelle équipe, un nouveau staff, excusez-moi, de dirigeant. Côté qu'on parle de jeunes garçons la donne, jeunes filles tout la donne. Donc, nous sommes démarrés là, redémarrés cette fois-ci pour de bon parce que nous sentons que Jean Politique a fait dans notre pays. C'est des transactions qu'a faites à l'intérieur des partis politiques. C'est que nous venons doctrine que l'intégrationnisme, que tout le monde la donne. Et l'intégrationnisme, non, l'esprit en droite ligne, pour qui ça? Parce que, avec le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre économique, le nouvel ordre politique et le nouvel ordre social, là, si vous n'êtes pas intégré ensemble de monde que vous considérez
comme des exclus traditionnels, comme des marginaux en la société, ben fais-moi confiance que bagarre même plus aide. Et c'est mon Jacques pas le frustré plus devant, Jacques pas le gars dans main tout. De pointer les armes dans mon Jacques faut intégrer en la société. Et c'est ça dans on va penser, nous dit que faut tout monde la donne. C'est pas une question de investir dans le monde qui les armes, c'est retirer les armes dans le main, mettre ton métier dans le main, mettre ton profession dans le main. Et bien un an, c'est formation qu'a fait. C'est sensibilisation qu'a fait. C'est montrer mon yo la notion d'appartenance que au pays que est l'Haïti. Ou même vivre autour, même pas un pays de échange, pas un pays de réserve. On crée un pays qui est l'Haïti. Donc fort de ce constat, je ne vais pas l'autre côté de mon café. C'est Haïti que je gagne. Donc pour cela, je ne vais pas l'autre bagaille pour me faire. C'est tête ensemble, ensemble avec tout le monde qui la donne. C'est ouais Haïti d'abord, une plus belle, plus prospère, que tout le monde qui va vivre en Haïti. Plateforme nationale sectaire populaire haïtien PLANSPA applaudit choix président Jovenel Moïse fait pour nommer notaire Jean Réséan comme nouveau premier ministre PIA. Responsable au fait qu'on est, président Jovenel Moïse fait choix ça dans l'idée pour permettre PIA et un gouvernement qui a répondu à problème PIA a fait face sitôt monde qui n'en plus besoin. Je plaide pour un vote confiance dans même parlementaire les premiers ministres nommés a fait déclaration politique générale. Plateforme nationale, secteur populaire haïtien, mandé parlementaire, député et sénateur, pour assumer la responsabilité dans le cadre de Maman Loi Pays. PLANSPA, mandé parlementaire, pour comprendre la nécessité pour le pays à gagner un gouvernement pressé. Pour toute raison, nous pouvons citer là. Yo. Un, faut que le parlementaire prenne pile précaution pour que le pays ne tombe pas dans l'autre catastrophe qui est plus grave que l'événement 6 à 7 juillet passé. Yo. Deux, entre l'école là, c'est dans deux semaines qu'on vient là. Maman petite et papa petite, par contre qui sait pour yo prier. Jour, journée, jeudi, Kaneti moun yo dans la direction de l'école. Yo. Parce à cause situation sociale yo et économique yo a dégradé chaque jour. Trois, exercice fiscal 2017-2018 là a fini 30 septembre cabine là. L'urgent pour gagner un gouvernement qui pour pencher sous budget 2018-2019 là côté il doit prendre en considération revendication agriculteur qui travaille depuis longtemps sans bourrade l'État. Et puis c'est eux-mêmes seulement qui ont aidé l'État à résoudre le problème que vous avez eu. Pédrica Saint-Jean, membre fusion social-démocrate, lancé appel à l'organisation FAMIO pour aller rencontrer mercredi 15 août la sélection féminine. U21, cap rentré, saute participer dans 9e édition Coupe du Monde l'an. Pédrica Saint-Jean, encouragé exécutif là, mettez yon lit budgété pour permettre yon pratiquer esport dans l'école. Yon extrait dans micro, Fidnia Confident avec Bernard Marseille. À partir de ça qui passe en termes de performance dans la Coupe du Monde féminine, là, nous demandons au président de la République là, avec le prochain ministre jeunesse et sport là, pour insérer dans le budget national là, et possibilité pour gagner sport qui fait dans toutes les écoles, je ne sais pas fait longtemps. Gagner sans sportif Carrefour, gagner gymnasium Vincent, ok? Toute l'école t'a supposé encourager jeunes filles et jeunes garçons à aller dans le sport. Parce que l'homme pays tant que pays d'Haïti, qui a pile problème, problème de sécurité, problème de santé, problème d'infrastructure, si au moins nous avons des jeunes femmes et jeunes garçons, si jeunes l'école qui sont capables d'offrir ça en termes de performance physique, pour être capable un jour lever tête pays, même en matière sportive,
Nous pensons que c'est encouragé. Combit Femmes pour Développement, COFADEC, mandé parlementaire, mardi 14 août, la ratifié déclaration énoncée politique générale Premier ministre Nomeya Jean-Henri Séan, d'après porte-parole COFADEC, Tessa Gilo, noté Séan, Séan citoyen, qui a rassemblé tout le monde, qui a travaillé avec chef l'État, Jovenel Moïse, pour changer conditions vie population. Tessa Gilo, Tenamiko, Midrey, Milias, avec Henri Robert Chers. Nous-mêmes femmes, Nabdiyo, by PM Jean-Henri Séan, yon chance pour ti machan yo, fam yo, moun factory yo, paysan yo, professeur l'école yo, jeunesse la, ki fi kap passe misè, pran humiliation tribord babo, pour yo jwenn yon chance, pour yo vive, et fok yo vive. Compassionate Health Ministries, COEMI, démarré avec 7e mission clinique mobilio dimanche 12 août 2018, là, Mahoutier 79, dans l'église adventiste Chilo. COEMI prend initiative ça dans l'idée pour renforcer le système sanitaire en dans le pays et puis porter assistance à la population qui a des problèmes de la santé. Hertelou Marie Dieudonné avec André Chéré, Abdinoplis, dans le reportage. COEMI, c'est une organisation qui regroupe plusieurs Haïtiens qui vivent dans un pays étranger qui est spécialisé dans le domaine médical. Mission, c'est renforcer le système sanitaire en deux pays et puis pour des contributions yo by autorité sanitaire yo dans ce sens ça. Une même organisation ça, Fabienne Ulus, expliquait yo gain passé 6 années depuis y a bay population service. Et je dis c'est premier jour de travail non. Nous visons pour nous avoir au moins 400 personnes, adultes et enfants. Et il y a plusieurs spécialités là. Nous avons gynécologie, médecine interne, oncologie, et puis nous avons un dentiste. Donc, nous travaillons demain si Dieu veut et mardi ici. Hein. Ensuite, nous allons aller dans l'autre zone, dans Dikini. On l'autre église et puis nous servir la communauté dans la zone ça. Aucun paiement pour les services. Tout service c'est gratuit. Gratis. C'est gratuit. Nous avons juste venu, nous présenter, nous avons des médicaments, nous avons quelques petits souvenirs que nous portons pour eux. Et puis nous avons examen, médecin, gratuit. Docteur Charles Samuel, un représentant COEMI, qui est spécialisé dans la médecine interne et la médecine familiale, fait qu'on est déjà recevoir environ 8000 patients depuis le commencement du programme. Nous sommes capables de dire que le chiffre est vraiment exorbitant. Dernière fois, nous avons fait une estimation, il était aux environ 8700. Dans la dernière clinique mobile, ça avait dit, si nous allons ajouter le chiffre pour semaine consultation clinique mobile, ça a un bon chiffre qui est assez intéressant. Maintenant, nous avons 8700 et plus patients que nous avons eu soin depuis le programme a commencé. Nous avons rappelé à Anessa Koemi ouvert porte Mahoutier 79 dans l'église Adventiste 7e jour Chilo, sorti dimanche 12 pour arriver vendredi 13 août pour porter support à moun qui ont un problème de santé. C'est le moment pour nous prendre une autre pause dans le journal. Là, nous avons tourné dans un petit moment. Chaque jour dans la vie, vous pouvez faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire un choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec une machine agricole qui est plus performante, avec un développement plus smooth qui vous mène au pire. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque jour. Lille Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité la plus reprenne chaque jour dans la vie. Le développement société, quel que soit domaine ou pévolière, Lille Mobile toujours garantit bon fonctionnement moté tout appareil à toute machine. L'IPAP jeune la guerre d'autre. Et il s'est pas fait à 100%. L'huile mobile pour mon terre, dirait plus longtemps.
piéger caoutchouc sur top tête chat ça yo encore. Mais pas gagné, c'est sale caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Vous avez de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, Top Tires, c'est Fun Wash, Chiré Route, Gauche et Clou. Ah, Gonji Boulbage. Vendez-moi 4 caoutchoucs. Mm. De quel grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chiré Route, Gauche et Clou. Merci d'avoir été branché Télévision Nationale d'Haïti. Nous allons faire un coup de pied l'autre bord de l'eau dans le journal là pour Pipiti. 30 personnes mourir à Capizé, l'autre blessé grave à cause d'un pont qui tombait mardi 14 août là dans la ville Gênes, dans le nord-ouest Italie. D'après quelques médias italiens, pour ça, qui relaient Morandi, Téguin, départemental à l'ouest, travaux publics en main depuis le week-end passé. Travail à nettoyage canal dans la région métropolitaine Lan. Travail Sayo a fait dans l'idée pour résoudre le problème canal Sayo qu'on provoquait à cause de boucher, ça qui va contribuer à résoudre divers autres problèmes de circulation pendant la saison cyclonique Lan. On suive un extrait. Objectif travail ça, c'est assainir le département l'ouest là, permettre de l'eau joindre la route, les lapis tomber et puis retirer la boue dans le canal. Yo. Travail ça qui je ne sais pas, la direction départementale travaux publics a fait une opération mécanique et manuelle. Li étendu dans la commune Pétionville, Tabac, Port-au-Prince, Delma et Cafou. Résultat a déjà commencé à aider dans la circulation d'après directeur départemental l'Ouest travaux publics. Résultat, il a commencé à faire sentir. Parce que hier, dimanche, il a fait un gros la pluie. Je prends ma machine, je suis sorti sous Cafou Rita, je suis arrivé. Quand on est débile, fait n'importe quoi, la ville fait de l'eau avant la rue. L'aime river, moi, toute l'eau avant de toute l'eau entrée. Toute l'eau entrée, me fait même j'en tout mal aller dans l'autre côté, me fait opération de tabac 52. Moi, toute l'eau passe, tout doit aller sur capas au capot. Ouais, route là, vraiment belle dans tabac 52. Oh, depuis n'importe quoi, la ville fait toujours. Ouais, route ça, les gars prend fatral, prend des blocs, descend, tout arrive. Sur passé qu'on y a après, les bien belle. Et même sur le cafou là, nous t'ai fait opération, nous t'ai fait nettoyage après. Et évidemment, toute la petite passée semaine passée, après route là, bien belle là. À part quelques points que nous avons nettoyé, là, notre confine nettoyé, qui n'est pas belle. Et nous avons continué avec l'opération, nous avons nettoyé tout le canal, nous avons pris tout exutoire pour nous faire de l'eau à descendre, comme ça, elle fait la pluie, pour ne pas avoir d'inquiétude et qu'il y ait un problème qu'on habite à gagner. Pour décoller, ça fait en direction départementale pour réaliser le travail ça dans le département de l'Ouest là.